à Paris, il y a très peu de longues périodes de chaleur. Par contre, en été, il y a des vagues de canicule qui durent 3-4 jours, qui peuvent dépasser 40 degrés. Et c'est une ville qui n'est pas du tout adaptée à des vagues de chaleur aussi fortes. Ça m'a affecté. J'ai travaillé à Paris pendant des 40 degrés en tant que serveur, avec une chemise et très peu de points d'eau pour se déshydrater. Donc c'était assez compliqué. C'est pas du tout une ville adaptée à 40 degrés. Ça serait une réduction de la voiture dans la ville, ce qui est en train de se faire avec notre maire de Paris, très critiqué, mais qui pourtant trouve des solutions pour réduire la voiture en ville. C'est la première solution. La deuxième solution, ça serait de diminuer de manière régulière pour tout acte quotidien notre émission de gaz à effet de serre, avec des gestes qui semblent pourtant anodins et qui collectivement, et c'est bien la seule réponse, collectivement, peut permettre de réduire ces vagues de chaleur